Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ancien étudiant de la faculté de médecine de Cochin-Port-Royal de Paris, je vous propose de suivre cette série qui comprend 10 cours de chimie organique dédiés à la nomenclature. Nous verrons tour à tour les alcanes, les alkyles, les alcènes, mais également les alcools, les aldéhydes, les acétones, les acides, et nous terminerons par les esters et les hétéroxydes. Ceci avec de nombreux exemples et un dernier cours avec des tests. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Dans la nomenclature, voyons les hydrocarbures insaturés. Dans les hydrocarbures insaturés, certaines liaisons entre les atomes de carbone du squelette carboné sont doubles ou triples et d'autres restent simples. Un petit exemple, voici une formule développée d'une molécule quelconque. Par exemple, CH3. CH2, CH, une double liaison, CH, carbone, donc un C, carbone et H. Voilà donc une molécule donc de type hydrocarbure insaturé où vous avez à la fois des liaisons simples, des liaisons doubles et des liaisons triples. Les alcènes, ce sont des hydrocarbures insaturés possédant une seule double liaison. Leur formule générale dérive de celle des alcanes en supprimant deux hydrogènes pour réaliser cette fameuse double liaison. Prenons le cas par exemple d'un alcane tel que le propane, dont sa formule développée, CH3, CH2, CH3. Voilà donc le propane. Nous allons donc ôter deux hydrogènes pour récupérer donc deux électrons, ce qui va donc nous conférer ici une double liaison. Voilà donc ici le propane qui va donc perdre deux hydrogènes, voilà, pour donner le propène, qui lui aura une forme CH3 C, il reste un hydrogène, une double liaison, et ici il nous reste deux hydrogènes. Voilà donc le propène. Et ici, étant donné qu'il se situe par exemple sur le carbone 2, ça serait un propène 2. C'est ce que nous allons voir dans la suite du cours. Je vous propose un deuxième exemple de nomenclature des alcènes linéaires à partir donc d'un alcane, à savoir le pentane, qui lui a 5 carbones. Donc le pentane, dont la formule brute est C5. H, 5 et 5, 10 et 2, 12. Donc, ce qui va donc nous donner ici, donc, je vais enlever tout de suite les deux hydrogènes qui vont donc nous permettre de réaliser une double liaison et qui va donc nous donner un pentène de formule brute, C5, H,
12 moins 2, 10. Voilà. À présent, je vais représenter les carbones. C'est 1, c'est 2, c'est 3, c'est 4 et c'est 5. Bien. Je vais définir tout de suite la double liaison ici, par exemple, entre le C2 et le C3, sachant que dans les alcènes, eh bien, il n'y a qu'une seule double liaison entre les carbones. Donc, les autres liaisons, ce sont des liaisons simples. Bien. À présent, il me reste à voir les hydrogènes à placer. Ici, il me reste 3 électrons libres. Donc, je vais pouvoir y placer 3 hydrogènes, CH3. Ici, il me reste un électron libre. Je vais pouvoir réaliser cette fameuse liaison CH. Ici, même cas de figure. Ici, j'ai 2 électrons qui me restent. Donc, j'ai bien 2 hydrogènes. Et dans le dernier, j'ai 3 électrons libres. C'est-à-dire qu'il y a bien un CH3. Voilà donc ici cette molécule développée de type pentène, sachant que la fonction N, c'est-à-dire la double liaison, se trouve sur le carbone 2. Nous allons donc pouvoir écrire donc le nom définitif au niveau de la nomenclature, à savoir pente 2 N. Voilà, 22 N. Les hydrocarbures polyinsaturés. Ils peuvent posséder plusieurs insaturations. On aura alors affaire à des diènes, des triènes et d'une manière générale à des polyènes. Prenons par exemple le pentane, qui est un alcane de 5 carbones, et réalisons 2 doubles liaisons. Alors, le pentane, donc un alcane de 5 carbones, à savoir 2 fois 5, 10 et 2, 12, 12 hydrogènes. Et nous allons donc réaliser ici 2 doubles liaisons, ce qui veut dire que nous allons faire partir 4 hydrogènes pour fabriquer 2 doubles liaisons. Ce qui va donc nous donner un C5 H12-4, 8. Voilà donc, d'une manière générale, ce que nous attendons comme résultat. Donc, nous allons créer nos 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Nous allons créer une double liaison en C2 et en C5. Voilà. Et tout le reste, ce sont donc des simples liaisons. Et ici, il nous reste donc 3 électrons, donc nous allons pouvoir faire un CH3. Ici, il nous reste un électron, on peut donc mettre un hydrogène. Ici, un hydrogène. Ici, un hydrogène. Et ici, 2 hydrogènes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a bien 8 hydrogènes, on a bien 5 carbones et une double liaison du fait qu'on a ôté 4 hydrogènes. Nous obtiendrons donc cette molécule qui va donc s'appeler donc pente. Voilà. Tiret 2, puisque le premier N est en 2, virgule, le deuxième N est en 4, tiret 10N. Voilà donc le pente 2. 4 dien à partir donc de cette molécule de pentane qui est un alcane courant.
Les hydrocarbures aromatiques. Ce sont des hydrocarbures insaturés qui possèdent un ou plusieurs radicaux phéniles reliés à des chaînes carbonées. Le radical phényl C6H5, donc le radical phényl de formule brute C6H5, avec sa liaison, peut être également représenté sous forme d'alkyle, à savoir un radical comme celui-ci. Radical phényl, que l'on peut donc représenter comme ceci. Au niveau donc représentation hexagonale, nous avons le phényl qui donc se trouve avec ses 6 carbones comme ceci. Au niveau des 6 carbones, vous avez des liaisons doubles, un carbone sur deux, et des liaisons simples, un carbone sur deux. Quant aux liaisons hydrogènes, vous avez une liaison hydrogène par carbone, bien sûr, sauf le carbone qui va donc réaliser la liaison. En effet, le radical phényl va remplacer un hydrogène. Donc, il lui faut cette liaison. Ce que nous avons marqué ici, cette liaison-là. Le radical phényl, donc, on peut le schématiser comme ceci. Donc, avec des doubles liaisons comme cela. Ou éventuellement, beaucoup plus simple encore, avec un O à l'intérieur. Au niveau d'une chaîne carbonée, par exemple, on va prendre CH3, CH, CH3. Nous pouvons tout à fait réaliser ici une liaison phényl avec un radical phényl, comme ceci. Voilà donc une molécule aromatique, puisque nous avons donc bien rajouté ici donc un radical phényl. Voilà donc ce que l'on peut dire au niveau des hydrocarbures aromatiques. Je vous remercie de votre attention. Cette série de chimie organique dédiée à la nomenclature comprend 8 cours de base théorique et un cours d'exemple ainsi qu'un cours d'entraînement. Les 8 cours théoriques se composent d'un premier cours concernant les alcanes tels que les propanes, butanes, etc. Le deuxième cours avec les alkyles comme les méthyles, les éthyles. Un troisième cours sur les alcènes et les liaisons simples, doubles et triples. Le quatrième cours avec les alcools primaires, secondaires, tertiaires et le groupe hydroxyle. Le cinquième cours, nous aborderons les aldéhydes avec le groupe carbonyl CO. Le sixième cours, les cétones et le groupe carbonyl CO entre deux alkyles. Le septième cours avec les acides et le groupe carboxyle COOH. Et enfin, le huitième cours avec les esters et les éthers. Et bien sûr, la place de l'oxygène dans ces molécules. Le neuvième et le dixième seront consacrés, comme je l'ai dit précédemment, aux exemples et un test d'entraînement. Je vous souhaite un excellent cours à tous au travers cette série de chimie organique dédiée à la nomenclature.